Vous regardez RTL. 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichou, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL ce matin. Le Premier ministre a lancé la réforme de la SNCF hier et pour la vente, entre guillemets, il a en gros expliqué que rien ne va à la SNCF. Les cheminots se sentent humiliés. Laurent Berger pour la CFDT a une formule forte ce matin dans les échos Je ne laisserai personne cracher à la figure des cheminots. Pourquoi avoir présenté les choses de façon aussi négative ben, C'est la situation qui est négative et personne n'a été humilié. Ici, il y a quelque chose qui est désastreux en France, c'est la façon dont la mobilité fonctionne et particulièrement les chemins de fer français. Mais tous les auditeurs qui écoutent RTL, qui prennent le matin le TER pour l'île de France ou, ou, ou les régions, voient bien que ça ne fonctionne pas, que les trains sont en retard, que les investissements n'ont pas été faits depuis des dizaines d'années et que manifestement, il y a un problème structurel. Moi, depuis que je suis adolescent, à la fois, on aime le train, on prend le train. C'est en plus un magnifique moyen de transport populaire et écologique par ailleurs. Et par ailleurs, depuis que je suis adolescent, on me dit que ça ne marche pas. Mais c'était indispensable au moment la date où de la on sncf on les cheminot à changer, à modifier, à se transformer, de dresser un tableau à ce point catastrophique, de la flinguer, comme me l'a dit un cheminot hier. Non, mais ce qui est indispensable. Le premier ministre a flingué la SNCF hier. Ce qui... Non, mais c'est ce qu'il a ressenti. Bah, il lui. faut être raisonnable. Ce qui est indispensable, c'est de dire la vérité. Ce qui caractérise ce gouvernement, c'est de dire la vérité. Et avoir des actes courageux. Depuis une fois encore, je suis ministre aujourd'hui, j'ai 35 ans, depuis que je suis adolescent, ça ne marche pas, la SNCF, au sens où la dette s'accumule. Voilà une entreprise qui a des dizaines de milliards de dettes, qui chaque année en produit 3 milliards supplémentaires. Voilà quelque chose, si j'ose dire, qui touche les Français, le train. Tout le monde est attaché à sa gare, tout le monde est attaché à sa ligne ferroviaire, tout le monde est attaché effectivement à ses voyages euh, en transport, que ça lui rappelle des souvenirs, ça lui permet d'aller travailler, et qui ne fonctionne pas. Alors soit on fait comme avant, soit on fait le statu quo, soit on passe... Euh, c'est-à-dire euh, bah, si le stock de dettes, les difficultés, la non-ouverture à la concurrence à nos successeurs, soit ce qu'a fait Édouard Philippe. On est courageux et on dit la vérité aux Français. Alors, dire la vérité, donc réformer, euh, on va prendre quelques éléments euh, évidemment les plus spectaculaires de la réforme d'abord la fin du statut des cheminots. Euh, une concertation va s'ouvrir. Ce qui est acquis pour le gouvernement, c'est l'extinction à terme du statut. Oui, c'est pas, pas est... extrêmement, c'est pas extrêmement nouveau pour, le, pour ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire pour les nouvelles personnes qui aujourd'hui rentreraient à la SNCF, puisque la SNCF doit évidemment continuer à recruter. Aujourd'hui, elle continue à recruter à statut, c'est-à-dire qu'elle elle est encore comme les entreprises publiques d'avant. Si je prends par exemple la Poste, la Poste a continué être un grand service public et s'est d'ailleurs régénérée, a fait face à des défis incroyables, notamment la baisse totale du nombre de, de courriers. Et ben elle continue à recruter la poste, à part qu'il y a des gens qui sont en statut parce que c'est le contrat moral que l'État, que l'entreprise publique et vous avait avec pas ces personnes, effectivement, pour les personnes nouvelles. Et à partir de quand Alors, ça n'a rien de révolutionnaire. À partir de quand n'y aura-t-il plus d'embauche de, sous le statut ben Là, nous ouvrons à la fois la concertation et en même temps le Premier ministre a annoncé la méthode, c'est-à-dire à la fois des ordonnances et un projet de loi nous avons la possibilité cette année de travailler à ça avec les syndicats. Donc avant la fin de l'année par exemple c'est ben, possible, une fois que la loi sera votée Mais, euh... mais le principe de la concertation c'est justement qu'on en discute. D'accord euh... mais ça peut être dès, dès 2018 les premières embauches à prendre en parler. Ben moi personnellement euh... je pense que c'est le plus tôt possible puisque c'est une entreprise qui perd 3 milliards chaque année la SNCF n'a pas été créée pour les cheminots elle n'a pas été créée pour les ministres, elle n'a pas été créée pour les commentateurs, elle a été créée pour les français pour que les trains roulent et pour que ces trains roulent et pour que les gens puissent le prendre sans être en retard moi je connais les gens de, de l'Oise, vice-président. On transport de la région hauts france Il y a des gens dans l'Oise qui travaillent tous les jours à Paris, et ça existe dans plein de départements, et qui aujourd'hui vont quitter leur famille, leurs amis, leur maison, parce qu'ils ne peuvent plus, à Clermont, à Nogent, à Beauvais, prendre chaque jour un train qui n'a pas une demi-heure, trois quarts d'heure de retard. Et ça, ça, c'est toujours cette façon de prendre l'opinion euh, euh, à témoin, finalement. Bah, parce parce a... garres, Le premier voir, hein. ministre a dit, euh, il faut oser la réforme que les Français savent nécessaire, sous-entendu. On ne peut pas y couper, vous, les cheminots, vous avez des privilèges, il faut que ça cesse. Mais ce n'est pas une question que les cheminots ou pas des privilèges, encore une fois, les chemins de fer français. Ils n'ont pas été créés pour les cheminots ni pour les ministres, ils ont été créés pour les Français. Ouais. Est-ce ça marche, est... ma... ouais. aujourd'hui Non, mais c'est pas la... C'est pas bah C'est que si, que pas. pas à cause des cheminots que ça ne marche pas. Bah c'est tout un ensemble Et de choses. C'est à eux que vous demandez mais à commencer... efforts, tout Non, mais à commencer par l'État. Vous savez combien les Français, combien vous, combien moi, combien euh, euh, chacun des Français paye pour SNCF qui prennent ou qui prennent pas hum. le train 340 euros. Chaque année, nous payons 340 euros parce qu'il faut faire fonctionner une société qui ne sait pas améliorée, parce qu'elle n'a pas fait les investissements nécessaires, parce qu'on ferme des lignes chaque année, et parce qu'on a parfois des accidents, comme c'était le cas malheureux de Bretigny, parce qu'on n'a pas été capable de faire ce que nos amis allemands, par exemple, ont Mais fait. On, on sent quand encore... j'étais adolescent, on disait qu'en Angleterre, c'était quelque chose qui ne marchait pas. Hein, C'était la démonstration absolue que ça ne marchait pas le train, qu'il y avait des accidents. Aujourd'hui, ouais. est-ce que vous êtes déjà allé en Angleterre prendre le train Est-ce que vous avez vu à quel point les choses fonctionnent Que les trains en général partent à l'heure, qu'il y a un service qui est aujourd'hui fait. Parce qu'il y a une révolution qui a été faite en Angleterre et aujourd'hui, la pauvreté, c'est les chemins de fer français, c'est pas l'Angleterre. Vous, vous parlez du statut. Je vais revenir une seconde. Est-ce que le changement, enfin, le changement de statut, est-ce qu'il faut le prendre euh, sous un angle juridique stricto sensu, c'est-à-dire qu'on met fin à l'emploi garanti au déroulé de carrière, ou est-ce que ça sera aussi terminé de ce qui relève des accords d'entreprise, c'est-à-dire les primes, les billets gratuits, les avantages qu'on met souvent en avant euh, d'en bénéficier aujourd'hui les cheminots Ce sont les deux qui vont euh, s'arrêter Les deux rien. aspects D'abord, il y a un chef d'entreprise de la SNCF et ce chef d'entreprise que j'ai encore reçu hier après les, après les annonces va faire ce travail de concertation à l'intérieur de son entreprise. Non, alors c'est ça qui est à négocier, c'est ça qui est dans la concertation. L'État ne va pas travailler à la place du chef d'entreprise. Alors je vous le demande, bon. c'est ça qui est dans en la revanche, concertation. Que, mais non, ce que fait l'État, c'est dire d'abord, un, nous ne fermons pas les petites lignes. Ah, mais attendez, vous passez d'un sujet à un autre. Mais C'est ce là qui est dessus. plus important. Oui, mais, mais on, on va y y revenir au euh, petit bout de la lorgnette, Mme Martichoux. Le statut des cheminots et leurs avantages et la fin, c'est pas le petit bout de la lorgnette. Très important. Bah, je suis pour combien de vous dire que personne. le plus important, ce n'est pas le statut des cheminots euh, ni leurs avantages. C'est le spectaculaire, on va parler de la dette non, dans un instant, le plus juste là-dessus. Bah, est-ce que, est, est est qu que ce qui est ou... sur la table, c'est tous les avantages aujourd'hui, juridiques ou pas, des cheminots C'est dans la concertation. Mais madame sera... encore une fois, excusez-moi de vous dire que je n'ai pas la même opinion que vous. Le plus important <laughs> n'est pas le statut des cheminots. Le plus important, c'est est-ce qu'on ferme ou pas des petites lignes Et c'est le premier ministre qui a répondu non. Pourtant, c'était dans le rapport Spinetta, parce qu'on va garder effectivement un avantage d'aménagement du territoire. Et à ce titre... Les chemins de fer français sont de l'intérêt général et pas simplement du fonctionnement d'intérêt privé. Est-ce qu'on va révolutionner l'entreprise La réponse est oui, on va en faire qu'une seule, une société. Comme ça a été dit, c'est une société nationale des chemins de fer français, la SNCF. On va oui. retrouver quelles sont euh, ses initiales. Est-ce que par ailleurs... Vous on ne ferme va... pas les petites lignes puisque vous en parlez vous-même, mais euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne fermeront pas. Ça veut dire nous, la SNCF. On ne le fait pas à charge pour les collectivités locales de regarder ce qu'elles veulent le garder ou pas. Le Premier ministre a dit que tous les contrats de plan État-région, et je les ai négociés dans ma région jadis, tous les contrats de plan État-région mmh. seront honorés. Et dans le contrat de plan État-région, l'État met une partie, la région ou les collectivités locales mettent une partie, il n'y aura pas de fermeture de petites lignes. Que demain il y ait un réseau qui vit et qu'on décide avec ici des, ou là d'ouvrir ou de fermer. Oui. Il y a des moments dans ma région on a décidé, parce qu'il n'y avait qu'une seule voie, d'en faire deux pour éviter que les trains soient en retard, parce que s'il y a un aller et que le train est en panne, eh ben le retour est, est cassé puisqu'il n'y a pas euh, de voie. Bon, eh ben on peut le faire et peut-être qu'on peut fermer d'autres lignes, mais ça c'est une discussion évidemment avec les élus régionaux et ça se passe chaque année et depuis et 40 ans. Et ce seront aux régions de le décider ou pas Non, euh, mais ce sera avec l'État, avec, et avec bah, la SNCF et, et il y aura deuxièmement, excusez-moi de vous le dire, une ouverture à la concurrence. Voilà des années. C'est Monsieur Fabius, un gouvernement de gauche, qui a négocié l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence a été décidée, elle n'a jamais été transposée dans le droit français. Les présidents de région le souhaitent. Les Français se demandent si ça marcherait mieux avec une concurrence. Gérald est-ce qu'on peut parler de la dette Parce que vous, vous êtes le ministre des Comptes publics. On peut parler de la euh, dette. Ça vous concerne évidemment au premier chef. Enfin, ça nous concerne de tous, la euh, euh, oui. Il n'a presque rien dit, finalement, Premier ministre, hier de la dette. C'est un oubli Non, parce que c'est pas un préalable, la dette. Ce ben c'est pas ce qu'Emmanuel Macron avait dit aux cheminots, Gérald Darmanin, si vous me permettez, début juillet. C'est Je... adressé à eux et il leur avait dit, il leur a proposé que l'État reprennent la dette en contrepartie, euh, en échange de la réforme. Il l'avait il dit à ce moment-là. On n'en a plus entendu parler. Si je parler. peux me permettre, en juillet, j'étais déjà ministre des Comptes publics et s'agissant d'une dette qui avoisine 50 milliards d'euros, je pense avoir été particulièrement informé et au courant de ce qu'a dit le président de la République, qui par nature et par définition euh, a raison. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, il a dit comme a dit le monsieur le Premier ministre et comme je l'ai dit à Guillaume Pépi, la dette n'est pas un préalable. Pourquoi Parce que chaque année la SNCF produit entre deux milliards et demi et 3 milliards de dettes. Et comme bien même nous effacerions la dette d'un coup une baguette magique, euh, nous recréerons dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans le même stock de dettes si nous ne changeons pas profondément la société. Donc d'abord, il y a la transformation de la société. On va se poser des questions dans la façon dont cette société fonctionne, si effectivement ce projet de loi quand il sera adopté quelle sera l'intégralité des mmh. négociations, comment les ordonnances vont être prises, comment les cheminots travaillent en concertation avec le gouvernement et avec l'entreprise à la transformation de leur métier, parce qu'il y a aussi la rigidité, mmh. il y a des mmh. horaires de travail, il y a tout un tas de fonctionnement qui est effectivement compliqué, complexe et qui coûte cher. L'entreprise, on dit, vous donnez le bâton avant la carotte. Et il vous, vous préciserez nous nous à la, la fin du mandat si l'État, oui ou non, prend Et nous nous poserons euh, la question, mais la, la le problème ouais. n'est pas le stock de dette, le problème c'est 3 milliards produits chaque année. Euh, la CGT prévoit un mois de grève, c'est-à-dire plus long qu'en 1995. 1995, c'est une espèce de, de référence absolue dans, dans le domaine des, des conflits sociaux. Dans cette hypothèse, qu'est-ce que le gouvernement fera euh, si les Français n'en peuvent plus, de, de ne pas avoir de train et Je ne crois pas à un seul instant que des syndicats, y compris la CGT, qui sont responsables, qui connaissent leur outil de travail, qui aiment leur métier, euh, sont capables de prendre en, en otage euh, les Français pendant de très longues semaines. Les Français, vous savez, en plus par ailleurs, les Français en général, mais les usagers en particulier, ils sont tout à fait conscients qu'il y a un sujet à la SNCF, que c'est une entreprise à sauver. Et 95... Euh... Ça vous l'avez dit, hein, l'opinion, l'opinion, l'appel à la En 95, récurrent. je me rappelle, alors moi j'allais je, je, à pied, euh, en l'occurrence, puisqu'il n'y avait pas ah, de métro. Je me souviens avec les traces beaucoup. Ce matin. Mais beaucoup, <laughs> beaucoup, beaucoup se souviennent de 95. Je crois qu'on n'est pas du tout dans la même ambiance. Pas On n'est pas du tout dans la même ambiance. Ce que fait le gouvernement, c'est qu'il dit la vérité. Il ne raconte pas des garnousettes, comme dirait ma grand-mère. C'est quoi Des garnousettes. Des dans l'or, pour dire que c'est des histoires, effectivement. Il dit la vérité. Il a pris le temps de la concertation, voilà des mois qu'on en parle. Et aujourd'hui, il a proposé une méthode, et non seulement il a proposé une méthode, mais une méthode courageuse, mmh. ce que n'ont pas fait tous les prédécesseurs de M. le Premier ministre Edouard Philippe depuis des dizaines d'années. Parce que peut-être qu'à l'époque, l'opinion ouais. n'était pas prête. Aujourd'hui, elle est prête. Gérald Darmanin, euh, si vous me permettez, avant qu'on se quitte, euh, une femme relate avec beaucoup de précision la relation intime qu'elle a eue avec vous à plusieurs reprises. Elle a déposé plainte pour abus de faiblesse. Une enquête préliminaire est ouverte. Médiapart a publié des extraits du PV d'audition. Sur BFM, vous aviez dit ne pas la connaître, cette plaignante. C'est toujours le cas. Alors, Madame Martichoux... Euh, vous n'avez pas le... de souvenir de, de cette jeune femme qui porte plainte contre vous Dans euh, la, la pseudo-première affaire, j'ai le droit à une page entière d'un grand quotidien du soir, vous avez posé la question sur euh, cette pseudo-affaire tous les jours à tous vos invités. Vous écoutez RTL. Euh, et ça m'arrive quand je suis pas chez vos concurrents ou lorsque je ne fais pas autre chose. Mais j'espère je, que vous m'en voulez pas. Euh, cette affaire a été classée, Elle a été classée deux fois en huit mois. La première affaire. Si on Exactement. Peut dire. Je remarque que la semaine dernière, vous n'avez pas posé, mais c'est tout à fait normal, la même question sur le classement de cette affaire. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent quand les enquêtes préliminaires s'ouvrent et qu'il y a peu de gens qui écrivent quand les enquêtes préliminaires se ferment. Je vais laisser la justice, comme la première fois, travailler le plus sereinement possible. Mais vous savez, ça me fait penser parce que vous parliez de le Wauquiez tout à l'heure et puis le, tout à l'heure dans la présentation. Ouais. C'est forcément une jolie phrase du président Pompidou qui avait été jadis, mais sans comparaison possible, calomnié également. Il avait dit cette phrase incroyable, c'est que le président Pompidou est un poète, j'ai perçu chez deux ou trois le vilain frémissement des narines, sentant venir les boules puantes et se délectant des odeurs d'égout. Bah, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que finalement, dans un contexte très particulier, il y a des gens qui aiment bien voir venir les boules puantes et qui se délectent à l'idée de sentir des odeurs d'égout. Vous me permettez une deuxième question Je fais mon travail. Est-ce que vous avez profité de la situation de cette jeune femme qui demandait un logement social Je n'ai jamais abusé, ni légalement, ni moralement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je vais le redire avec plaisir, de qui que ce soit, et surtout pas d'une femme. Hier, Le Monde titrait l'épine d'Armanin, c'est-à-dire, sous-entendu, vous êtes susceptible de freiner, gêner le gouvernement, c'est la dernière question. Bah, ça, les Français euh, qui me voient, vous-même qui êtes commentateur, euh, le Premier ministre et le Président de la République sont les plus à même de juger, mais j'ai pris avec beaucoup de distance désormais à lire le journal Le Monde. Merci Gérald Darmanin d'avoir été ce matin sur RTL. Et l'intégralité de cet entretien à retrouver sur le site RTL.fr, bien entendu, dans quelques, ans, dans quelques instants, la météo avec Marina Giraudot.